la marque, bah, il est là. attends, frérot, attends. Ouais. Déjà, on va dire, t'es Libanais. Il n'y a qu'un Libanais qui est capable de rouler avec ça dans Paris. Regardez la taille du truc de ouf. Et regardez, tout ce monde-là était dans la benne, quoi. Je sais pas comment on appelle ça, frérot. Ouais, une benne. Ouais, c'est la benne, quoi. D'ailleurs, en été, ça va être ici, le Paris Plage. Ouais. Ici, tu vas mettre une piscine gonflable et tu vas tourner comme un fou. Alors, parle-moi un peu de la voiture, frérot. Pick-up en Maroc, c'est 3 litres TDI, 224 chevaux. C'est un 3 litres TDI, combien de chevaux? 224. 224 chevaux. Après, ils disent 244 avec un overboost. Ouais. Mais je sais pas comment tu peux utiliser. D'accord, ok. Il y a pas un bouton pour, en fait. Il y a pas un bouton pour, ok. Ça se met pendant un laps de temps, mais ils disent pas quand. D'accord. Et frérot, je regarde un peu avant de commencer les questions. Je vois qu'il y a une très très belle finition, surtout au niveau des sièges. Tu vois que là, on est quand même sur quelque chose de très sérieux. On est sur quelque chose de très luxueux, en fait. C'est utilitaire, quoi. Mais toi, tu t'en sers pour... Les deux, en fait. Ouais, voilà, tu t'en sers comme un utilitaire. Mais franchement, regardez, on voit que les matériaux sont solides, nobles, etc. Et c'est très bien. Là, vous voyez. Ça, c'est l'édition Aventura. Ouais. C'est la plus haute, quoi. D'accord. C'est un discret de te demander le prix. Ou 58 000 euros. TTC. D'accord. Niveau assurance, tu dois payer une tonne là-dessus ou ça va? Ouais. Ça tourne les 120. Ouais, 120. 120 par mois en tout risque. Très bien. Tu l'as depuis combien de temps? Depuis un mois. Depuis un mois, d'accord. T'en es content? C'est un truc de ouf. Hein. Ouais, j'ai fait un peu de off-road là. Ouais, ça s'est bien lavé il y a 2 heures. Ouais, bah il est propre, hein, mais on voit que t'as fait un peu d'off-road, ouais. Est-ce que tu peux m'allumer les LED devant? Très très bien, très très belle. Bah, franchement, tu sais qu'ils ont assuré, hein. C'est la première fois que j'en vois un. C'est la phase 2. D'accord. La c'est quelle année 2, celle-ci? Toute la phase qui change. C'est là, c'est 2017. Merde! Frérot, t'as vu cet immense. Attends, frérot, je viens d'arriver, frère. Frérot, t'as vu cet immense camion, frérot? Putain, c'est un GSX, frère. C'est un truc de ouf. Je suis en train de me présenter à fond. On va à Jean Goujon après. On va aller à Jean Goujon. Moi je t'attends. J'ai pas un j'en ai arrivé, j'en ai Je sais, j'ai vu. T'es là. Rendez-vous à Jean Goujon, les gars. Vas-y, ça marche. Tu me disais, mon frérot, donc ça, il y a toute la face avant qui a changé. Toute la face avant, d'accord. Même tout l'intérieur a changé. Tout l'intérieur a changé. Okay. Là, on va continuer à regarder un peu. Petit clignot blanc, très sympa. Gros rétro comme ça qui sont très très bien. Puis devant, là on arrive. Tapis de sol. Putain, les sièges sont très bien. Il a combien de bornes? Là il est à 3200. Ouais. 3200 bornes. On sent qu'il a 3200 bornes parce qu'il est encore tout beau, tout neuf. Les sièges ils sont hyper bien encore. Ils sont bien maintenus. Enfin, t'es bien maintenu dedans. Grosse console centrale. Après vous le voyez ici au niveau du GPS, etc. Là aussi, très très beau, je découvre en même temps que vous, donc la boîte est très très bien. Boîte auto évidemment. Et puis voilà, je vais passer de l'autre côté. Très 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 stylé. C'est très grand, mais tu sens que dans la voiture, il y a un... Comment dire? Tu sens qu'il y a un sentiment de sécurité dans la voiture en fait. C'est utilitaire bien fini. Ouais, ouais, c'est très bien fini. C'est un lit utilitaire et... Tous les jours. Il y en a au Liban? Il y en a pas, non, parce que c'est un diesel. Ah, Liban, oui, c'est vrai qu'ils aiment pas. C'est vrai qu'ils aiment pas. Là-bas, tu parles libanais, tout ça? Je comprends. Mais tu comprends? Pas. Ouais. Je suis un. Ah, t'aurais parlé, j'aurais fait toute la vidéo en arabe, frérot. C'est vrai? Ouais. Bah, y aller, vas-y. Tu veux? Si je parle en arabe, tu comprends? Je t'assure, je comprends. Ça y est, la fille. Un accent syrien, je sais pas si. C'est la même chose. Par exemple, toi, moi, si je te dis, genre, si je te dis, Fihay Seyara Bel Lebnan. Là, tu vois, ouais. Donc tu m'as, c'est presque le même accent. Ouais, tu vois, non, bah oui, bien sûr, frérot. Ouvre-moi le capot, s'il te plaît, frérot. Ah putain, j'adore cette caisse. Les jantes sont putain de belles. Les jantes sont belles. Il est énorme. Il est énorme, putain. Ouais, V6 TDI, bien gros et tout. Franchement, très bien. Franchement, j'aime bien. Putain. C'est le même bloc du Touareg, du ouais, Q7. Ouais, c'est ça. C'est des bons moteurs de toute façon. D'accord, très bien.
J'avoue qu'avec moi, faut qu'il tienne le moteur. Ouais, bah t'as une conduite de Libanais, frérot. T'as une conduite de Libanais, frérot. Une conduite de Zaran, frérot, comme on dit chez nous. Ah, ouais, l'as dit. Une conduite de Afrit, frérot. En plus, je suis dans le 77. Ouais. Donc, ouais, c'est. Ah, frérot, ouais, bah tu dois te faire kiffer quand même. Alors, franchement, c'est adapté. Après, je roule beaucoup en Paris. Parce que je suis frigoriste, du coup. Ouais, t'es frigoriste, donc tu fous tous les trucs là-bas, comme tu me disais. Ouais, normalement, il y a un hardtop. Ouais, donc il y a un hardtop aussi. Mais je vois, tu l'as. Week-end, tu vois. Ouais. Mais voilà quoi. C'est, voilà. Si tu veux, j'ai des photos. Bon, ouais, tu peux me montrer le temps que je regarde. Ça va, frérot ? Ça va, ça va. Le temps que je regarde un peu ce côté ici, qu'on voit un peu les compteurs, etc. Ah, vous le voyez, hein, il est dans le jus, il est très bien, 3275 km. Très très bien ici, bon, les phares, etc. Vous connaissez. Franchement, très bien. Voilà, avec un... Putain, c'est beau. Ah, je le préfère sans hardtop. Ouais, c'est sûr. Ouais, sans hardtop, il a une gueule plus imposante, il est plus beau, il est plus... Il est plus ouf. Quoi, parce que là, tu sais, quand j'achète des trucs dans le magasin, je suis obligé de les mettre là. En fait, mon coffre, c'est ça. Ouais. Là, il prend la flotte. Donc, du coup. Ouais, t'es obligé. En tout cas, non, très 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 cool. Après, le bruit, ça doit être assez feutré là-dedans, non? Ou il y a quand même du bruit ou quelque chose. T'entends un peu quand même. Choyé. Tu veux que je te fasse. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ouais, je sais pas, frérot. Ils étaient en train de faire un petit tuning, frérot, derrière. Non, juste, il est descendu. Descendu. Tu veux que je te fasse un peu? Ouais, Saline, ouais, je vais monter avec toi. Je vais juste faire le tour du pâté, les amis. J'arrive. T'en garde. Ouais, c'est subit, frérot. Ouais, donc on a un sentiment, on est très haut dans la voiture. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Ouais, t'es bien haut. Petite caméra de recul, évidemment. Tu es obligé de nettoyer aussi à chaque fois que tu es off-road. Ouais, bien sûr. Et puis même, de toute façon, il faut une caméra de recul là-dessus parce qu'il est quand même très haut. Hein. Bah, donc en gros, tu es obligé, en fait, je pense, d'avoir une bonne petite caméra de recul, etc. pour voir où tu vas, ce que tu fais, etc. Ouais, c'est un bruit. Bah là, pour l'instant, c'est très silencieux. Tu trouves? Ouais, c'est silencieux. Ça me fait penser, tu sais, ça me fait penser, moi, j'ai un Q7 diesel. Ça me fait penser au Q7 diesel. C'est vrai? Ouais. Putain, je pensais que c'était plus... Non, non, ça me fait penser à ça. Tu veux que je bombarde avec? Dis-moi, toi. Tu sais que là, bah là j'ai essayé le chauffant. Ok. Donc là, moyen, tu l'éteins. Là, t'as mode. T'enlèves l'USP. Et là, t'as mode off-road. Donc, c'est. Ce qui change, c'est juste la pédale. Elle est moins. Elle est moins. Réactive, ok, ouais, d'accord, j'ai compris. Et donc là, t'as des allumes-cigares un peu partout. T'en as là. T'en as même dans la benne. Ah ouais, quand même, ok. Ah ouais, mais tu peux même mettre une télé et tout ça. Ouais, là on peut faire un petit tour, frérot, là, comme ça, tu peux prendre le pont là-bas. Il y a même le GPS, hein, regarde, il est archi fluide. Enfin, j'aime bien, franchement. Ouais, franchement, ouais. Média. Ouais, après téléphone, etc. Ouais. Après, t'as tous les trucs. Non, franchement. En fait, cool. Ouais, t'as tout le confort d'une voiture, mais dans une voiture qui est déjà très imposante. Et tu peux, c'est aussi un utilitaire pour toi qui l'utilise comme ça, quoi. Donc, mais moi j'aime bien, ouais. Donc, et puis c'est fluide, on a l'impression, tu vois, c'est... En fait, c'est plus aussi financièrement, parce que j'en vois de plus en plus, mais aussi, t'as pas la TVA et t'as pas le malus. D'accord. T'as 6000 euros de malus, je crois, dessus. Ouais. Et la TVA aussi, société. D'accord. Donc, du coup, tu t'enlèves un bon tarif, je crois, il est à 58 000 euros, ouais. TTC. D'accord. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais en fait, c'est un Touareg, le truc. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un Touareg. Mais plus stylé, parce qu'au moins, t'as... Ouais, bah oui, moi, je préfère ça, hein, limite. Hein. C'est plus amusant d'avoir ça que d'avoir un Touareg, frérot, où tu vas voir tout le monde avec. Alors que la Maroc, surtout dans cette configuration-là, etc., j'en ai pas vu beaucoup, tu vois. Et rouler dans Paris, ouais, après, toi, tu t'en sers aussi, mais quand tu roules dans Paris, etc., les gens, ils doivent... En fait, les gens ils disent comment tu te gares. Ouais, bah ouais. J'en dis, mais je me gare pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais, je me mets sur non, le c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Double fil. Tu te gares à la Libanaise. Ouais, c'est... Non, c'est vrai. Hein. Là, tu peux aller à gauche comme ça. Et puis, je suis bien, on est bien. On a une impression de hauteur. On a une impression de hauteur. Bateau, bah, c'est ça. Ouais, on a une impression de hauteur que
que j'aime beaucoup. Voilà. Une impression de sécurité. Après, il y a le, ça rase du start and stop là. Ouais, mais ça, ils sont obligés hein, pour les normes maintenant. C'est là, tu as l'habitude de tout droit là-bas. Ouais. Moi, j'aime pas aussi quand j'appuie start and stop. Ça marche bien. Ah, ça marche bien quand même. Hein. Ouais. Ouais. Bah, ça marche. J'ai l'impression d'être dans mon Q7 quoi. Ah merde, c'est ça. Non, 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 tu peux y aller. Ah ouais, ouais, c'est rafif, tu vois ce que je veux dire? C'est fluide. C'est fluide, voilà, exactement. Cherchez le mot en français. Mais ouais, ouais, très bien. Et puis là, t'as la clim et tout ça, machin. Et toi, en fait, s'il y avait quelque chose que tu disais, s'il y avait quelque chose que t'aimais pas dans cette bagnole, qu'est-ce que ça serait, par exemple? Qu'est-ce que je lui trouverais comme défaut? Bah, start and stop, déjà, ça. Ouais, mais ça, après. Ça me fait chier, vraiment. Ouais, ouais. De fou. Ah ouais. Ça. Ouais. Genre c'est pas incliné comme chez BM. D'accord. Ça fait que quand il y a un peu de soleil, tu vois, tu vois rien. Ça reflète là, okay. C'est chiant, c'est vraiment chiant. Et qu'est-ce que t'aimes dans cette voiture? Bah à peu près tout. Ah ouais, oui, le style. Sur cette finition, ouais. Le problème c'est ses jantes. Ouais. Tu vois, elles ressortent un peu. Un peu beaucoup même. Du coup, ouais. Tu peux te prendre des fois des ça, c'est trottoirs chiant. Et ça traîne la jante. C'est chiant. C'est chiant pour un pick-up, pour un 4x4. Ça vois. C'est très chiant. Donc si tu veux faire du off-road, tout ça, c'est mieux de changer les jantes et. Ouais, si tu veux vraiment faire du off-road et l'utiliser un peu à l'arrache, ouais, c'est mieux de le configurer en mode. Bah, ouais, pour mais là ça. En fait, c'est plus pick-up route. Voilà, c'est ça. Stylé, tu c'est vois, ça. Faire genre. T'as déjà fait un peu de longue route avec ou tu fais vraiment que du Paris non, ou... pas, je fais que du Paris-Banlieue. Ouais, Paris-Banlieue, etc. Fait encore, faudrait que t'essayes un jour de faire une longue route avec, voir comment tu te sens, mais en fait, tu dois être bien. T'es bien dedans, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment dans un 4x4 en fait. Et ça, je kiffe bien. Ouais, là, c'est un peu l'arrêt de bus, mais. C'est vrai? Ouais, ah. Mais bon, Marlich. En fait, faut que t'ailles là. Ouais, vas-y, va. Vas-y. T'as hein. Mis ma plaque dedans. Non, mais après, ouais, ça arrive. Mais c'est un peu comme un bus, hein, tu sais quoi? Ouais, c'est comme, on va dire que c'est comme un bus. On va dire que c'est comme un bus. Oh, laisse passer la dame. Mais ouais, laissons-la passer. Donc ouais, après, tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, j'ai un sentiment de sécurité. De... Pas vrai, putain, wallah, il m'a. Rjlen ma konou yukhlas. Pas diversifié. Là tu peux te mettre là frérot. Fais juste attention en tournant et puis bah nickel. Voilà, bah de toute façon on a fait la même chose que le Clash G qui est devant donc voilà. Bah en tout cas merci à toi. Bah avec c'était, plaisir. C'était top frérot. Merci à toi de m'avoir présenté. Ouais, c'était beaucoup d'impro. On s'est croisé et puis tu m'as montré le 4x4 et moi je suis très content d'avoir vu. Non, et puis plaisir de te voir. Ouais, moi aussi wallah et donc n'hésite pas à repasser quand tu veux pour me montrer un peu En tout cas, merci à toi, frérot. Bah, merci à toi. Merci à vous. T'as Instagram, quelque chose, ou de la main, tu t'en fous? Ouais, si tu veux, j'ai Instagram. Ouais, c'est quoi ton Insta, frérot, que les gens, ils te suivent? Alors, c'est Julien, J-E-R-D-C. Ok. Et, mettre là. Ouais, mets-le là, qu'on voit. Ah, c'est celui-là. D'accord. Julien, J-E-R-D-C. Ok, super. Moi, si vous voulez me suivre, c'est Akram Junior et Snapchat aussi, Akram Junior. Voilà, bah merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah j'attends vos avis en commentaire.